ton corps. Possible de vivre l'aigle a passé, de reprendre ma force et veille dans la main cachée. C'est possible de voir fleurir l'amour cassé et voir les blessures de nos cœurs séchés. C'est encore possible. Shalom, shalom, shalom. Je suis le prophète Victoire Ngodi de l'église Cité de la Restauration. Suivez-moi sur DATV chaque mardi à partir de 21h30 et la rédivision chaque vendredi à partir de 15h. Et vous serez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, shalom, shalom, shalom à toutes les téléspectateurs, téléspectatrices qui sont déjà connectés en ce soir pour votre émission que vous aimez tant. Émission, c'est encore possible. Alors, l'émission, c'est encore possible. C'est une émission qui est animée par l'église Cité de la Restauration, donc qui est représentée par votre humble serviteur, le prophète Victoire Ngodi, Mosakoli, Azanamboka, Azanalibandate. Alors, papa, maman, peut-être vous êtes à la maison et en face de votre téléviseur. Peut-être vous êtes quelque part en train de me suivre au travers de votre téléphone. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous sommes arrivés à un temps de miracles, à un temps de la visitation, un temps de la prophétie, un temps de miracles au travers de notre émission. C'est encore possible. Nous ne pouvons jamais être ingrats. Après avoir commencé l'émission sans avoir dit un merci à notre Créateur, celui qui nous a donné le souffle de vie. Alors, je tourne de l'autre côté de la régie, juste une petite morceau d'adoration qui va nous faire entrer dans la présence du Seigneur afin que nous puissions adorer notre Dieu pendant juste 1 minute et 5 secondes. Et après, nous allons y revenir pour prier afin de commencer notre émission en ce soir. Alors, je tourne de l'autre côté de la régie afin que nous puissions écouter cette. Ataba de la yo, la maman votie, votie la yo, les années. Balobi, ok, la nasse, n'amour, elle votie no, les alliés. Ataba, c'est kayo, ça m'a pas aidé. Amina yo, les alliés. La la la, la la. Alors, voilà pourquoi nous venons d'écouter cette
belle mélodie. Alors, j'aimerais que nous puissions prier afin de confier ce moment entre la main du Seigneur, afin que celui qui a créé le ciel et la terre, il puisse nous parler en ce soir. J'aimerais que nous puissions prier tous ensemble. Le roi des cieux, le roi de la terre, le maître des esprits des hommes, nous te bénissons, te pambolio pour la grâce, te pambolio pour la pema. Tu nous as accordé le privilège de voir cette soirée, Seigneur. Nous soumettons ce moment entre tes saintes mains, que ta présence se manifeste, cher Saint-Esprit. Tu es un esprit de la vérité, un esprit de la prophétie, qui sont le cœur et les reins. Prends contrôle de ce moment, prophétise au travers de moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi j'ai prié et te le dis tous ensemble. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, chers téléspectatrices, téléspectateurs, là où vous êtes peut-être dans votre bureau, en train de me suivre en ce net moment, peut-être au travers votre téléphone, en train de me suivre en ce net moment, que la grâce et la faveur du Seigneur puisse reposer sur votre vie en ce soir dans le nom de Jésus. N'a pas à que te commis Nathan. Oyo et Sengel, il faut que Zambé, il y a miracle, Zambé, il y a solution à l'obélabisso, n'a pas quoi, il y a l'élo. Alors, maman Moko, a vati nandaku, a zo l'andangaï. Et c'est la papa Moko, a zo l'andangaï, nanzela, il y a téléphone, oyo et zana, ma boko, na ye papa, maman. Peut-être, ozana, situation, Moko, oyo, ozo traversé, ozo lela, ozo la kati ya foyer, mais kimia esate, ozo traversé, maman Moko, très difficile la vie, mais solution esate, écoute-moi très bien, là où la pensée de l'homme s'arrête, c'est là où la pensée, la main de Dieu se commence. Alors voilà pourquoi j'aimerais que nous puissions passer dans ce moment très spirituel, un moment très prophétique en ce soir dans le nom de Jésus. Alors papa, maman, peut-être Zambala Liboso ou Landangaïna télé, et ça la peut-être on a zélé à téléphone ou les armes à Bokonayo. Ozo la nangai, ezala peut-être na écran na yo, ozo mon nangai, alors tozana kati ya émission, c'est encore possible. Alors l'émission c'est encore possible, c'est une émission qui est animée par l'église Cité de la Restauration, donc qui est représentée par votre humble serviteur, le prophète Victoire Ngodi, Mosakoli Azana Mboka Azana Libandate. Alors peut-être vous avez suivi beaucoup de témoignages, par exemple il y a Papa Oyazala qui n'a malade, na sida malade oyo nyoko lakiye pendant des années à se sembler là quelque part, mais sous solution exacte à tambo lakina ba église belé, mais solution exacte à bimisa ki ba mbongo, mais solution ezo monanate zambe à cela qui est grâce à l'anda ki kolanda émission ngai na zela ya radio papa wana a lanti émission le bité na koluka tout, il faut que na kutana na mosakoli Asana Mboka, le prophète Victoire. Alors, un jour, papa wana a yakaki na consultation prophétique. A yakaki na église et a lekaki na seleya secrétariat. Ba orienté ye na katia bureau. Kokota na nanga zambe ya batu. Zambe ya mote mama ya mawa. Zambe ya grâce. Zambe ya miracle. Asala ki ye grâce. Papa wana alanda akota ki na kacha biro to sololaki et na loba ki na ye ke nzambe o na so sambela, c'est un Dieu qui guérit les malades. Oui, le médecin peut tâtonner, mais Jésus Christ ne peut jamais tâtonner. Le médecin peut échouer, un seul endroit qui ne rate jamais. Tu peux aller dans des cliniques, tu peux aller dans des hôpitaux, en hôpitaux, tu peux aller même en Europe par rapport à ta maladie, par rapport à ta
ta situation. Le médecin peut échouer, mais Jésus-Christ ne peut jamais échouer. Le papa était arrivé, a eu la grâce de me croiser. C'était un jour de la consultation. Et c'est comme ça que je lui avais soumis dans un programme de prière de 3 jours. Et dès que pendant qu'on avait terminé le programme, le Dieu des miracles, le Dieu des esprits des prophètes a guéri. Je crois que le témoignage était parti dans des réseaux sociaux et dans de la radio, tout partout, par-ci, par-là, dans des quartiers. Il y a plein de témoignages. Alors peut-être tu es assis à la maison, tu es en train de me suivre en ce net moment. Tu es dans un foyer, mais il n'y a pas la paix. Tu as un problème de la fécondité. Tu as un problème du travail. Tu as fini les études. Tu as déposé les dossiers de gauche à droite. Depuis qu'on t'avait promis qu'on va t'appeler jusqu'alors, il n'y a pas la suite. Jusqu'à ce moment. Je ne sais pas, je ne connais pas ta situation que tu es en train de traverser. Alors, peut-être tu es en train de m'écouter, tu me dis, papa, je prie quelque part, mais il n'y a pas la solution. Malgré je paye mes dîmes, malgré je soutiens l'œuvre de Dieu, mais il n'y a pas la solution. Écoute-moi très bien. La délivrance a un nom. Et la délivrance a une adresse. Le nom de la délivrance, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Adresse Ezakaka Moko, Nakatia, Église Cité de la Restauration. Église Cité de la Restauration se trouve où? Se trouve dans le quartier Tchétché Masola, Arrêt Secrétariat. Arrêt Secrétariat, na Tchétché Masola. Et ça rend facile. Arrêt Secrétariat, na Tchétché Masola. Pona bato oyo bazo vanda na kati ya ville ya Pointe Noire, Tchétché Masola, c'est connu. Ou Sengi, la mairie de Tchétché, commune ya Tchétché. Dès que vous arrivez au niveau de l'arrêt secrétariat, vous allez voir la commune de Tchétché, la mairie de Tchétché et l'école 30 mars. Alors entre l'école et la mairie, il y a un avenue goudronné qui a séparé la mairie de Tchétché et l'école. Prenez l'avenue goudronné tout droit. Entre la mairie et l'école tout droit. Goudron, 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 à peu près au moins 150 à 200 mètres, ça va tomber sur le goudron de Songa, avenue du Petit Temple. Vous traversez le goudron, avenue continue par terre, quatrième parcelle à droite, vous allez voir une grande église construite aux matériaux durables, peint à couleur bleue. Église Cité de la Restauration est là. C'est très facile. Alors, pour la papa, ma maman, la biso, ceux qui sont vers quartier Matende, ceux qui sont vers Kwiku, ceux qui sont vers Tister, et ceux qui sont vers Mongo Kamba, ceux qui sont vers Vindoulou, vous allez emprunter un bus de la Ligue 15 qui va vers le fond de Tchétché. Vous demandez arrêt lavage ou soit arrêt globaline. Dès que vous arrivez au niveau de l'arrêt globaline, c'est là où on vend de l'eau de forage juste avant d'arriver à l'école qui est en étage école CPT Isaac. Vous allez arriver à l'arrêt lavage ou avant d'arriver à l'arrêt globaline, arriver à lavage, vous descendez à lavage ou soit arrêt globaline. Dès que vous êtes à globaline, vous pouvez m'appeler sur le numéro qui est affiché sur votre écran. Alors, c'est ça mes 2 numéros personnels que j'utilise. Airtel, c'est mon numéro personnel. Et MTN, c'est mon aussi numéro et aussi mon WhatsApp. C'est très facile. Vous pouvez m'appeler sur WhatsApp. Vous pouvez m'appeler sur mon numéro personnel. Ça soit MTN, ça soit Airtel. Les 2 numéros, c'est mes numéros personnels. Airtel, c'est 05 029 54 10 05 029 54 10 05 029 54 10 05 029 54 10 et MTN, c'est ce qui est affiché 06 940 30 09. Alors, voilà mes 2 numéros personnels. Je vois déjà des appels. Que le Seigneur vous bénisse. Accorde-moi juste quelques minutes. Je vais revenir vers vous pour décrocher
et vos appels en direct de l'émission. Et je vais donner le message prophétique selon la grâce qui m'a été conférée par l'Esprit Saint. Alors, c'est très facile. Le programme là-bas à l'église Cité de la Restauration, maman Mokwa Vandi Nandaku Azolela, Alobinanga Papa, na sala qui déjà 10 ans, na kati ya foyer, mais na sala problème ya kobota. Un frère, peut-être quelque part, a silissé qui déjà ba étude naïe, a déposé ba dossier et de droite à gauche, mais il n'y a pas une solution. Peut-être que tu es malade d'une maladie de sida, une maladie de diabète, cancer, peut-être une maladie. Oh, ba munganga ba simba kin soto na yo, ti ba lembi solution exacte, oh, zo landangay na minute oyo. Écoute-moi, chaque jour, je reçois à l'église de ce lundi jusqu'au samedi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, à partir de 7h jusqu'à 12h, uniquement consultation prophétique, je reçois tous les cas. Tu es malade, quelle que soit ta maladie, tu as un problème de blocage, tu as un problème de la fécondité, tu es malade, je ne sais pas quelle maladie qui te fait souffrir pendant longtemps, mais je t'assure que je reçois chaque jour de lundi au samedi. Demain matin, je vais recevoir de 7h jusqu'à 12h et le soir, nous aurons un grand programme qui, ça sera un programme pour toute la ville. Écoute-moi, nous prions le mercredi, le jeudi et le vendredi. Le mercredi, le jeudi et le vendredi, c'est 3 jours. Le mercredi, jeudi, vendredi, c'est 3 jours. À partir de quelle heure? C'est à partir de 16h30 et 17h jusqu'à 19h. Nous, Dozala, Dozana Moussala Moko, Yamakasi, et Moussala O, Dozanango, et Zaka Kapona Bana Yacité de la Restauration T, mais et Zapona Ville Mobimba, et Salabande Konabiso Oyo Basana Libanda, Basolanda Biso Nanzela Ya WhatsApp Zap, et Salabato O Basolanda Biso Nanzela Ya Facebook. Programme Oyo et ça pour la ville Mobimba na kati ya pointe noire au souvanta wapi quel que soit programme na yo. Oh papa na so sambe la quelque part. Écoute moi la délivrance baluka kayango, guérison baluka kayango. Si l'autre a échoué, ça ne veut pas dire là où je vais aller, le prophète ou le pasteur va échouer. Je suis en train d'éviter toute la ville. Ville Mobimba. Bon, il y a un programme. On est banda le mercredi, le jeudi et le vendredi à partir de 16h jusqu'à 19h. Et dimanche, tu as 3 cultes été, ni 2 cultes. Kosana culte moko oyoko banda à partir ya 8h jusqu'à 11h30, légèrement 12h. Après le culte de dimanche, je veux recevoir aussi les gens. Mais la consultation prophétique, je reçois de lundi au samedi, chaque jour à partir de 7h jusqu'à 12h. Consultation prophétique, peut-être la radiovision qui sera peut-être vendredi. Par exemple, vendredi, n'a pas quoi tokozala à partir de 16h à 19h. Et le mercredi, 16h à 19h. Le jeudi, 16h à 19h. Le vendredi, 16h à 19h. 3 jours la semaine. Le mercredi, le jeudi et le vendredi. De 16h à 19h, 16h à 19h, 3 jours, et dimanche à partir de 8h jusqu'à 11h30, légèrement 12h. Après le culte de dimanche, je vais recevoir aussi ceux qui n'ont pas eu le temps. Ils ont battu monsieur soit kinda kanaba kop, à kinda kanamusala, à zala kanatona somente. Donc dimanche na tongo oyena culte, après culte na koyambayo, très facile. Le numéro c'est facile. Le premier numéro, c'est MTN qui est affiché sur votre écran. Donc, regardez votre écran. Vous allez voir le numéro de MTN. C'est 06 940
06 940 30 09 et MTN et RTL, autant pour moi, RTL, c'est 05 029 54 10 05 voilà, 05 029 54 10. Je vois déjà le téléphone en train de sonner, tous les deux téléphones. Je suis en train de voir votre appel, mais permettez-moi, dans 5 minutes après, je vais commencer à décrocher vos appels en pleine émission pour vous donner une orientation prophétique, c'est-à-dire la prophétie en direct de notre émission. Alors, vous allez prendre votre Bible. Je suis dans Esther, chapitre 7, verset 4. Esther, chapitre 7, verset 4. Esther, chapitre 7, verset 4. Je le lis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nazotangango, nakombo na Jésus-Christ de Nazareth. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis, et encore si nous sommes vendus pour devenir esclaves, servantes, je me tairai, mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. Alors, je crois que c'est un verset très compliqué que nous venons de lire. Alors, c'est Esther, chapitre 7, verset 4. Alors, na kati ya verset oyo to uchi kotanga na moni ba appel ebele na zomona ba appel na bino insister ya kobenga eza pa numéro personnel ngai na pokwa ya lelo mosakoli asana mboka le prophète Victoire Ngoji. Alors, Esther en train de rencontrer à ses frères, c'est-à-dire sa communauté. Esther, elle était à Dassa. Pendant que le roi et ses hommes, ils étaient partis à déportation, ils étaient partis en pays d'Israël pour prendre les sages. À l'époque, pendant le temps colonial, les Européens, les Occidentaux, ils venaient en Afrique pour prendre des esclaves. Et il prenait nos grands-pères, il prenait nos grands-mères, il les amenait aux États-Unis, en Europe, pour les utiliser comme les esclaves. Donc, c'est ce qui était arrivé à l'époque d'Esther. Alors, pendant que ces gens, ils étaient arrivés dans le pays d'Israël, en Israël, alors, ils ont pris Esther, ils ont pris le Mardoché, ils ont pris, à l'époque, Esther, elle s'appelait pas Esther, mais elle s'appelait Hadassa. Et ils ont pris ce monde-là, il les a amenés dans leur pays. Et pendant qu'ils les utilisaient comme des serviteurs, comme des esclaves pendant des années, et c'est là où le roi a fait une grâce, et Dieu a fait grâce, le roi était tombé sur Hadassa, et Hadassa était devenue Esther, elle était devenue reine dans ce pays. Alors, Esther en train de vivre dans la gloire, Esther en train de vivre dans la bénédiction, Esther en train de vivre dans l'élévation. Un jour, c'est comme ça que Esther a appelé ses frères, elle a appelé ses sœurs. Elle est en train de leur raconter leur histoire. Chacun de nous a une histoire. Chacun de nous a un parcours. Si aujourd'hui, peut-être Dieu vous a fait grâce, vous êtes devenu un général, vous êtes devenu un chef, un DG quelque part. Avant de devenir DG, vous avez passé dans ce qu'on appelle un parcours. Vous étiez très loin. Il y a de certaines personnes, il y a de certains nos chefs. Aujourd'hui, Dieu les a élevés. Ils étaient à l'époque au village. Ils étaient à l'époque dans de certaines situations très difficiles où personne ne pouvait croire que cet homme peut devenir quelqu'un dans sa vie. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il est devenu un chef, il est devenu un homme élevé. C'est comme ça que Esther est devenue la reine dans ce pays-là. Alors, Esther a reine
appelle ses frères. Esther en train de leur raconter leur histoire. Azuloba na bango. Histoire na bango, c'est-à-dire origine na bango. Yaya, ceux qui ont habité place où utaki et que ça la difficile, oye ba place où yozo kende. Et ça la batou le loi belé au koki koko mana Congo. Au changer nationalité, au commis congolais, au kena poto na Europe, tu changes la nationalité, tu deviens un français, tu deviens un américain. Mais sache-le, au sana origine, place au Yowutaki. Esther a sur rappelé Bango que biso oyo boso mona biso lelo na komi reine na komi Esther mais na sana origine na katia origine na biso tala isa boye boye tango na solo ba makambo oyo etali origine, c'est-à-dire je suis en train de parler de la famille na solo ba makambo ya libota na place oyo to uti et tango na solo ba makambo oyo etali ya famille. Nazomo na ba famille biologique te. O papa o ya botakio, mama o yo oncle. Nandenge ya Afrique, ceux qui ont moni noko, okobenga ye famille. Mais nandenge ya mubele, aba mundele, nandenge ya français, normal, quand tu regardes la famille, c'est-à-dire, je peux compter sur mon père qui m'a mis au monde, et ma mère et mes frères. C'est ça qui constitue ce qu'on appelle une famille. Mais dans les pays africains, où comme on a nos copains à sa famille, où comme on a oncle à sa famille. Mais par rapport à l'origine, abisso de outaki na famille. Même si muto akoki ko changer nationalité naie, akoki ko changer acte de naissance naie, akoki ko kosa état que non na botama ki na 1982. Alors que à Botamaki na 800, alors papa, au côté coco ça état, mais tu ne peux jamais tromper et ton origine, c'est-à-dire là où tu étais sorti. Et parfois, et ça la canaba bitumba, oyo tozo vivre en go lelo na katia vina biso, et ou te ki na zela na biso te, cela veut dire, te sala ki na biso le soumoute, me ba koko na biso, ba boti na biso, ba sala ki ba alliance, ba sala ki le soum, et lelo eso me ma biso ba ngambo na katia vie. Et ça na ba famille moussous, ba ça na ba problème ya kobota. Okomona mwasi kitoko, mobali kitoko, wazana mbongo, wazo travaye, atu mwasi atina ndako, me batiki le azwa musala, batiki azwa mwasi, batiki azwa mobali, me bakange mabuta, azo buta te, mwasi mokwa vanti azo yokanga, papa mokwa vanti azo yokanga, azana probleme esterilite. Écoute moi très bien, Esther azo rakontre, à ses sœurs, à ses frères, que nous sommes, que vous êtes en train de nous voir, nous sommes vendus. Bate kaki kote kabiso kala. Afin que biso tous à la détruit. Et ça n'a pas famille moussousou. Na minute on a zoloba. Na katia famille wana. Et ça n'a pas esprit. Esprit moko ya destruction. Oko remarque que moi si aza kitoko. Oko remarque que moi si aza la comportement ya bien. Mais moi si wana. Azo koka kokota na foyete. Azo kalibala. Babala kaina babongo na masanga. Mais comme aza n'esprit ya destruction. Dès que vous vivez dans l'aïe, esprit, comme esprit de destruction, ils ont réclamé qu'un esprit à Kanda. Vous savez que moi, le Kambo, problème, moko oye singeli, ba problème, y'a bitumbate, oko remarque que, ako kota, téléphone, ako bonjango, écran, ako bonjango, akoti, azume même canapé, oye somba ki la bambongo e belé, azume belé, azo pasou la yango, oko mona, ah, mais quel moi si a bouye, parfois moi si moko, azo beta mo bali. C'est un esprit de la destruction. Cet esprit ne sort pas de cette femme, mais cet esprit était sorti dans la famille de cette femme. Afin que Asana est resté na Katia Libala. Et ça n'a pas papa belé, va perdre ma relation belé. Nicolas, il y a destruction. Esprit à destruction massive. À cause
biso musala akobanda ko marqué chef ça parfois ko comprendre yango te parfois chef patika la ka chef alobi non alongole na musala azongi na ndako apanti ko réfléchir apanti ko lela balongole nga na musala pourquoi balongole na musala c'est parce que tu as manqué ton chef du respect. Ce n'est pas toi, mais c'est un esprit de la destruction. Esther a l'obaki que boy biso oyobino boso mona bateka ki déjà biso nana teka ki déjà libota na bino na katia famille na bino bato baba la kate na katia famille na bino baba to baswa ka mbongo belete boko mona jamais ba vieux na katia famille. Chaque année il faut muta kufa. Déjà na année oyo boti ko kufa les 3-4 personnes na katia année oyo boti okunda baba na combien. Na katia même année, papa, okufela ki bande ko komie. Ozo comprendre ngote, li wabane so uta wapi. Zoka na katia famille, ba tele bino deja bandelu, ba te kaki deja longevite na bino. Kete ke so kia ko koma na 50 ans, il faut mourir, akufa. Dès qu'il arrive à 50 ans, il doit mourir. Bozo comprendre en goûte liwawa ne zo uta wapi. Voilà pourquoi Esther a son le barabande konabino na bango que biso oyo nous que nous vous nous voyez bateka ki biso nous sommes vendus pour être détruits. Okomona e bien akobanda musala bien mais ye moko ko bebisa. Akobanda commerce bien ye moko ko bebisa. Akozo ba relation bien ye moko ko bebisa. Na yambaki sœur Moko Sokyo Mounie, elle était tellement belle, brune. Et cette sœur était arrivée dans mon bureau. Au secrétariat, on l'avait orientée dans mon bureau. Elle était rentrée dans mon bureau. Et quand vous la voyez, vous allez voir que c'est une femme très belle. Elle était venue, elle a laissé sa voiture dehors. Elle est rentrée dans l'église. Et c'est comme ça qu'on l'avait introduite dans mon bureau. Elle était rentrée dans mon bureau et pendant qu'on est en train de causer, et c'est comme ça que l'Esprit de Dieu commençait à me parler, et pendant que quand j'avais causé avec elle, et qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, papa, moi que tu vois là, bah, mi bali, bah, boya kangate. C'est-à-dire, les hommes ne me rejettent pas. Les hommes ne rejettent pas. C'est moi qui rejette les hommes. C'est moi qui refoule les hommes. Oh, bah, mi bali, bah, boya kangande, ngande na boya kaba mi bali. Mais ce que mon nié a commis déjà à l'âge, il y a 43 ans, papa. Et pendant qu'elle est en train de parler, l'Esprit de Dieu est en train de me dire, non, cette fille a un problème. Elle a croisé beaucoup de grands hommes qui ont de l'argent. Dès que quand tu commences avec elle, et dès que tu as eu le projet de venir l'épouser, tu vas voir que, par exemple, tu as eu le travail quelque part, on va t'enlever au travail. Par exemple, tu as eu le fait les affaires, il faut que les affaires tombent. Pourquoi les affaires doivent tomber? Pourquoi? Parce que dans la vie de cette femme, il y a un esprit qui combat le mariage, qu'elle ne doit pas se marier. Et c'est le cas de plusieurs personnes. Au Bandakaba, relation, il y a bien, mais relation, il y a eu où la kate. Tu commences bien tes relations, mais tes relations ne mettent pas du temps. Tu commences bien, ça finit toujours mal. Ça soit des relations sexuelles, ça soit des relations amoureuses, ça soit des relations dans le domaine du travail, ça soit des relations dans le domaine des affaires. Mais les relations-là ne finissent toujours mal. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui marche avec toi. L'esprit-là, il ne veut pas que tu sois joyeux. L'esprit ne veut pas que tu sois joyeuse. L'esprit ne veut pas que tu réjouis de ta beauté. Tu réjouis de tes bagages intellectuels. Pourquoi? C'est parce que l'esprit là a un rôle juste de t'empêcher de ne pas que tu puisses voir la gloire de Dieu dans ta vie. C'est comme ça que Esther, en train de raconter à sa famille que nous sommes vendus pour être détruits. Nous sommes vendus pour être détruits, moi et mon peuple, pour être égorgés. C'est l'esprit de mort. Il y a de certaines familles, même en ce moment que je suis de faire l'émission, il y a de certaines familles qui sont en deux. Bawuti ko koufe la moutou. Parfois, basana matanga. Bosolo nange, basana matanga, bosolo là. Et ça n'est même pas 2 mois, 3 mois. Et ça n'est même pas 1 année. Bo koufe la ki moutou. Talako bawuti ko koufe la denko. Bosale ki komye. Talande de boso sila. Boso ye bate liwawane so wuta wapi. Boso comprendre te. Nana so bomela bino batu. Voilà pourquoi le sens de la consultation prophétique. Je reçois chaque jour de lundi au samedi à partir de 7h jusqu'à 12h. Uniquement la consultation prophétique.
Je reçois tous les cas, même quel que soit peut-être la Katianda Konayo, oh papa, n'a so comprendre te, ba disparition biloko, ba so yi banga kana Katianda ko, na so yi bate, na na so yi banga, na lobi bo na yambaka chaque jour, de lundi au samedi, de 7h à 12h, uniquement consultation prophétique et la, le culte, c'est le mercredi, le jeudi et le vendredi. Le mercredi et le jeudi et le vendredi, c'est à partir de 16h30 jusqu'à 19h pile et dimanche c'est à partir de 8h jusqu'à 11h30 légèrement 12h après le culte de dimanche. Je reçois aussi nos frères et sœurs qui n'ont pas le temps dans la semaine, donc dimanche le matin viens au culte, après le culte je vais te recevoir. Voilà pourquoi Esther est en train de raconter à ses sœurs que nous sommes vendus pour être égorgé dans ta famille. Beaucoup fait là qui déjà bato combien. Vous allez qui combien? Vous tikale combien? Vous étiez nombreux et regardez comment vous êtes en train de mourir en petit feu. Dès que ceux qui montent sur Bunda, dès que sur moi quelque chose na quatre, na quelque chose, il faut que Moutouana koufa. Dès que montent sur côte dans le commerce, elle est rentrée dans le commerce, elle est rentrée au marché en train de se battre. Voilà, là on est en train de la jeter une maladie. Baoutiko voit qu'elle est malade, Aoutiko Koufa. Voilà, à quoi situation, nous se commis très difficile la vie naïe. Pourquoi? Parce que Baboua, quel est esprit, il y a destruction, esprit, il y a égorgement. Alors, qu'est-ce que Esther a en train de dire encore le sous-sous? Anyati, et encore si nous étions vendus, c'est pour devenir des esclaves. Esclaves à Zanani. Esclaves à Zamoutou Oyo. À Zokoka, qu'on jure na volonté na yete. Esclave à Zamoutou, ou à Zosala, mais résultat ya malonga ezate. À Zosala et belé, mais le foot ezate. Depuis ça fait combien de temps que vous étiez rentré dans cette société? Vous êtes en train de travailler très dur. Vous êtes le plus ancien de cette société, mais les petits qui arrivent après vous, ils sont en train d'être élevés. Salaire est augmenté, mais votre salaire ne s'augmente pas. Pas de promotion. Vous êtes peut-être de la police, vous êtes peut-être de la gendarmerie, vous êtes peut-être de l'armée. Depuis que vous avez commencé l'armée, depuis que vous avez commencé la police, il n'y a pas les galons. Les autres puissent être en train d'avoir les galons. Il y a des certaines personnes que vous avez fait la formation ensemble. Il y a des certaines personnes que vous étiez rentrés dans la police, la gendarmerie ensemble. Ils sont devenus, les autres sont devenus des capitaines, les autres sont devenus des colonels, les autres sont devenus des généraux. Mais depuis que vous étiez rentrés, toujours même place, là où vous êtes jusqu'à pour actuellement, parce qu'il y a un esprit qui vous bloque. Voilà pourquoi dans ce programme, je suis en train d'appeler tout le monde. Vous savez, le programme que nous avons, ce n'est pas seulement un programme des enfants de cité de la restauration. Ce n'est pas seulement un programme de l'église de la cité de la restauration, mais c'est un programme de toute la ville. Vous êtes dans la ville de Pointe-Noire. Ce programme est pour vous. Venez chercher votre délivrance. Venez chercher votre miracle. Venez chercher votre bénédiction. Vous avez traversé des moments difficiles. Vous étiez maltraité entre les mains de faux prophètes, entre les mains de faux pasteurs. Dès que vous arrivez, on vous a demandé, oh, donnez cette somme, donnez l'argent, donnez ceci. Vous avez donné l'argent, mais il n'y a pas la guérison. Vous avez tout fait ce qu'ils vous ont demandé, mais il n'y a pas la solution. Écoute-moi très bien. Vous avez écouté beaucoup de témoignages, mais je suis en train de vous parler que dans ce programme, il y aura des femmes stériles que Dieu va guérir. Il y aura des hommes qui ont des maladies de sida, des maladies de diabète, des maladies de cancer. Vous avez entré dans des hôpitaux et des hôpitaux, mais vous n'aviez rien trouvé comme la guérison. Je vous invite dans ce programme. Alors papa, maman, je vous demande d'être là demain, ce mercredi, à partir de 16h jusqu'à 19h, jeudi, c'est de 16h à 19h. Vendredi miracle, c'est de 16h à 19h. Et la consultation prophétique, je reçois chaque jour, le lundi jusqu'au samedi, à partir de 7h jusqu'aux 12h. Uniquement consultation
prophétique le lundi au samedi de 7h à 12h. Demain matin, je vais recevoir de 7h à 12h. Alors, de lundi au samedi, uniquement consultation prophétique de 7h à 12h. L'église Cité de la Restauration se trouve où? Se trouve au niveau du quartier Tchétché Massola, arrêt secrétariat. Tchétché Massola, arrêt secrétariat, ou soit la mairie de Tchétché. Vous demandez la mairie de Tchétché, ou soit la commune de Tchétché. C'est très facile. Dès que vous êtes devant la mairie, ou soit la commune de Tchétché, ou à l'arrêt secrétariat, entrez dans l'avenue Goudronné, entre la mairie de Tchétché et l'école 30 mars. L'avenue Goudronné, tout droit. Bozuka, balabala, Goudronné, tout droit. Ti au moins 200 mètres, et Kokoya, Likolo, ya Goudron, ya Tsonga, avenue du Petit Temple. Vous traversez juste le Goudron, l'avenue continue par terre, 4e parcelle à droite, l'église Cité de la Restauration est là, c'est peint à couleur bleue. Vous allez voir le programme de l'église avec sur une bâche juste devant l'église. C'est facile. Alors, numéro que j'utilise, mon premier numéro, c'est RTL, ce n'est pas affiché, c'est MTN qui est affiché. RTL 05-029-54-10. 05-029-54-10. MTN est déjà affiché sur votre écran. Regardez seulement sur votre MTN et en même temps mon WhatsApp. Alors voilà pourquoi je tourne de l'autre côté. Suivez ce qui se passe. Il y a à l'église Cité de la Restauration. Il y a une maman. Alors c'est notre soeur. Peut-être la ville la connaît très bien. Elle est une actrice de cinéma dans notre ville de Pointe-Noire. Elle avait fait beaucoup des années dans de problèmes. Elle commence une relation amoureuse, mais cette relation faisait qu'elle se brisait à tout moment. Mais Dieu l'avait fait grâce. Elle était arrivée à l'église Cité de la Restauration au travers l'émission. Peut-être vous êtes à la maison en train de me suivre. Enlevez le doute, enlevez l'inquiétude, venez et cherchez votre délivrance. C'est comme ça que la maman était arrivée, elle avait un sérieux problème de mari de nuit. Et cette mari de nuit, c'est une personne dans sa famille qui a bloqué sa vie pendant 14 ans. Donc à chaque fois qu'elle commence une relation, les hommes fuient. Elle croit que les hommes sont mauvais, alors que les hommes ne sont pas mauvais. Mais c'est l'esprit-là qui a un rôle de chasser les hommes dans sa vie pendant plus de 14 ans. Mais le jour où elle était arrivée, c'était un mercredi, comme demain ce mercredi, un mercredi de la délivrance. C'est comme ça qu'elle a vu le miracle. Je tourne de l'autre côté de la régie. Si on peut balancer la vidéo, vous suivez ce qui était passé à l'église Cité de la Restauration. Suivez ça et je prierai pour vous. Et toujours sur le même numéro, c'est mon numéro WhatsApp qui est affiché sur l'écran. Et pendant qu'on est en train de mettre les témoignages, et la délivrance, les séquences de la délivrance de ce qui était passé à l'église Cité de la Restauration de cette sœur qui a vu Dieu, elle a retrouvé sa délivrance. Peut-être tu es à la maison, mais tu ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Peut-être vous êtes dans un foyer, tu ne peux pas savoir que tu as un problème spirituel. Mais venez vivre la délivrance, venez à l'église Cité de la Restauration, vous ne serez jamais déçus. Vous avez écouté beaucoup de témoignages, venez et voyez de votre propre vie. Le mercredi, le jeudi et le vendredi. Le mercredi, le jeudi et le vendredi, c'est de 16h à 19h. Et le mercredi, jeudi, vendredi, 16h à 19h. Et dimanche, à partir de 8h jusqu'à 11h30, légèrement 12h. Après le culte, je reçois aussi. Regardez ce qui se passe à l'église Cité de la Restauration. Pendant que de l'autre côté, mon numéro MTN, c'est RTL, MTN est affiché sur mon WhatsApp. En même temps, vous pouvez m'écrire sur WhatsApp. Vous pouvez m'appeler sur WhatsApp aussi. Alors, MTN, RTL, c'est 05-029-54-10. 05-029-54-10. 05-029-54-10. Alors, je tourne de l'autre côté de la régie, suivi ce qui était passé à l'église Cité de la Restauration. Suivez ça.
Le sang de Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'acide. Le sang de Jésus-Christ, c'est pour détruire ta force. Vous êtes combien? Vous êtes combien? Hein? Partout. Nani. Comment la Bible? Quel est ton nom?
je verse le sang, je l'assis. Oui. 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 Qui est qui? Je crois que je t'apprends. Allez. Qui? Hein? 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 Je détruis ta force. C'est ce que vous venez de voir, c'est ce qui se passe là-bas à l'église Cité de la Restauration. C'est des séquences de délivrance, c'est des esprits qui sont en train de parler au travers des hommes. Pendant que l'esprit wana azoluba au travers maman ou ezala qui na liboso wana bomoni tatouage ou ezala qui na kingo na ye. Donc esprit wana azo bomba manakati ya tatouage ezala batu ebele botia kiba eloko na zot ezala ba mosusu batia ba tatouage batia ba serpent batia ba pété ba crocodile batia ba panthère mais sans koyé ba signification nango na sima nango ezala kana ba esprit oyo ba se manifeste kana via batu bomuni comment zambe ya musako la zana mboka a délivrer notre sœur esprit wana aso boya ko kende libino nga na bomo makana kati ya tatouage oyo eza na kingo na sœur et bomona ki mama mosusu pe azala ki na problème aza mwasi ya chef moko munene na kati ya biso c'est la femme des colonels et elle aussi est lieutenant de l'armée alors mais Dieu de gloire. La maman a un sérieux problème dans sa vie. Elle a fait 17 ans dans un foyer. Elle ne conçoive pas à Kangamakate. Pendant 17 ans, ba kenda kiti na Maroc pour un problème. Ya ya semi, ba sala ki ba examen, malade zo mona na te. Mais maman zo Kangamate pourquoi? Parce que a sala ki na problème spirituel. Mais tango yaka ki ko tia makolo na ye na cité de la restauration et sala ki ba taya de France, Zambé a prophète Victor Boutu Komona, comment Zambé délivré Bango, Zambé a pensé que Bango solution. Alors, question de temps, na lobby na yambaka chaque jour, de lundi au samedi, à partir de 7h jusqu'à 12h, uniquement consultation prophétique de lundi au samedi, de 7h à 12h. Et lobby na pourquoi? Le mercredi, le jeudi et le vendredi, c'est de 16h à 19h. Donc, ça a 3 jours, il y a miracle. Vous allez monter sur Bella. On dit ma ca prophétie, on dit ma ca miracle. Vous allez en déco. Oyo peut-être Monsieur Zako Koufa, Monsieur Zomona la société. Boya Kanaye lobby à partir de mercredi, le jeudi et le vendredi de 16h à 19h et dimanche à partir de 8h jusqu'à 11h, légèrement 11h30. Après le culte, je reçois aussi les gens. Alors, je crois que le numéro que je suis déjà en train d'épouser le temps, je n'ai pas assez de temps. Il faut que je commence à prier pour les hommes, à prier pour les femmes qui vont appeler en pleine émission. Mon numéro RTL, c'est 05, c'est pas affiché là. C'est MTN qui est affiché. Mais RTL, prenez ça. C'est 05 029 54 05 021. Ouais, c'est ça qui est affiché. 05 029 54 10 06 940 30 09. Ça, c'est mes deux numéros personnels. Même après émission, émission que si là, mes prophéties que si là, émission que si là, miracle et que si là, guérison et que si là. Alors, je suis en direct. Benga Nazo Yamba, déjà en direct, il y a émission. Nazo Yamba, premier appel Oyo. Allô? Allô? Oui. Bonsoir papa. Ah, bonsoir. Kombo Nani, vous nous appelez depuis quel quartier? Bon, quartier Vungu. Depuis Vungu. Vous êtes en train de me suivre à la télé? Oui. Et il y a deux choses qui sont en train de passer dans votre vie. Où est votre femme? Bon, à la veillée. La maman est à la veillée. Oui. Et c'est que vous avez pris l'adresse de l'église? Bon, on a vu ça, oui. Et c'est que demain matin, vous pouvez venir avec maman qu'on puisse parler? C'est possible? Bon, parce que demain matin, elle est à la veillée, moi je suis en Vungu. Et est-ce que le soir,
Le soir de 17h à 19h, est-ce qu'elle peut, vous pouvez venir ensemble après le que je vais vous recevoir? Bon, c'est pas grave. D'accord, parce que pendant que j'en ai parlé, le Seigneur m'a révélé trois choses. Mais je ne peux pas dire ça en direct de la télévision. C'est pas trop du respect. C'est pas grave. D'accord, demain. Que le Seigneur veille sur vous. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci. Alors, insistez, 05 029 54 10 06 940 30 09. 05 029 54 10 06 940 30 09. Je le. Allô? Bonsoir, Kombo Nani. Bon, Bengi, depuis quel quartier? Depuis Chimamba. Depuis le quartier Chimamba, Kombo Nani? Laetitia. Maman Laetitia, depuis le quartier Chimamba, vous avez pris l'adresse de l'église, Maman Laetitia? Oui. Il y a deux choses que le Seigneur est en train de montrer dans votre vie. Je vois, il y a un esprit de mari de nuit. Il y a de cela, ça fait 14 ans. Et à chaque fois, l'esprit là a un but, c'est pour contrôler votre vie. Vous faites des efforts, mais tout est fermé. Vous avez eu des relations, mais vous ne bénéficiez pas de votre relation. Vous m'écoutez? Oui, papa. Est-ce que demain, vous pouvez venir me voir, qu'on puisse parler en face? Le matin. Le matin, à partir de 7h, je vais recevoir jusqu'à 12h. Merci, que le Seigneur verse sur vous. Merci. À demain. Merci. Insistez, Yako Benga. Nazan attend et belete. Nazo Yamba. Nazo de. Allô? 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 Oui, shalom, papa. Shalom. Kombo Nani, Bozo, Benga Bisso, depuis quel quartier? Kombo François, Nabengi depuis quartier. Papa François, pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me dit, vous êtes ensemble avec votre épouse, vous êtes en train de me regarder en ce moment. Vous avez un problème. Le problème, vous avez un problème de la fécondité. Ça fait combien de temps? Ça fait déjà 7 ans. Ça fait 7 ans que vous êtes ensemble, vous avez un problème de la fécondité. Oui, papa. Mais je vois votre femme, je vois deux enfants. Elle a deux enfants? Oui, deux enfants. Mais c'est vous qui avez le problème. Oui, c'est moi qui n'ai pas d'enfant. Ma femme a deux enfants. Ok. Est-ce que demain, c'est possible que vous pouvez arriver sur place à l'église? Vous avez pris l'adresse de l'église? Oui, j'ai pris l'adresse de l'église. Faites un effort, venez sur place. Parce que pendant que j'en ai parlé, l'Esprit de Dieu me parle de nom de... Merci. Mayanga. Mayanga, c'est qui? C'est notre grand-père. Votre grand-père. Il était déjà mort. Est-ce que demain vous pouvez arriver sur pas qu'on puisse parler? Oui, d'accord. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Ainsi c'est Yako Benga. 05 029 54 10 06 940 30 09. Allô? Allô? Allô, shalom, papa. Shalom. Kombo Nani Bobengi Bisso, depuis quel quartier? Depuis Mbota. Depuis Mbota. Vous avez pris l'adresse de l'église? Il y a deux choses que le Seigneur est en train de me parler concernant votre vie. Et je vois un problème de blocage au niveau de votre finance. Vous touchez de l'argent, mais l'argent, vous ne ferez rien avec votre argent. Est-ce que vous pouvez venir demain me voir au bureau à partir de 7h30? C'est possible? C'est possible. Que le Seigneur vous bénisse demain. Merci. Alors, insistez, Yako Benga, 05 029 54 10. Allô, 06 940 30 09. Allô? Allô? Oui, shalom. Shalom, papa. Kombo Nani Bobengi, depuis quel quartier? Maman Rebecca, depuis le Grand Marché. Maman Rebecca, depuis le Grand Marché. Vous avez un problème dans votre ventre. Pendant que je suis en train de parler avec vous, le Seigneur est en train de me dire, ça fait déjà deux mois, vous avez un problème de votre menstruité. Oui, papa, c'est la vérité. Makilezo Bimate. Oui, papa. Ça fait combien de temps? 7 ans. Ça fait déjà 7 ans. Est-ce que vous avez pris l'adresse de l'église? Oui, j'ai pris l'adresse. Pendant que j'en ai parlé, je vois le problème de myombe dans votre ventre. Oui, papa. Vous avez fait l'échographie? Oui, c'est ce qu'on m'avait dit à l'hôpital. C'est ce qu'on vous a dit à l'hôpital. Mais je vois, c'est pas un homme. Mais pendant que j'en ai parlé, le Seigneur me montre deux choses. Mais je ne peux pas parler de votre vie
en direct à la, de la télé. Faites un effort, venez sur place, me voir à l'église. Vous avez pris l'adresse de l'église? Oui, j'ai pris l'adresse. D'accord, merci. Demain matin, je reçois de 7h jusqu'à 12h. Et le soir, c'est à 16h. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, allô? 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 Oui, bonsoir. Comment vous appelez? Vous m'appelez depuis quel quartier? Je vous appelle depuis 7-7. Depuis le quartier 7-7. Vous êtes en train de suivre l'émission? Oui. Ok, vous avez pris l'adresse de l'église? Oui, j'ai pris. Ok. Pendant que je suis en train de parler dans votre vie, le Seigneur me parle, il y a deux choses. Je vois une maladie, c'est un problème de l'hernie. Mais Dieu me dit de prier pour vous. Mais je ne peux pas parler de votre vie en totalité, tout à la télé. Faites un effort de me voir demain. Où est votre épouse? Allô? Où est votre épouse, papa? Est-ce que c'est demain, c'est possible que vous pouvez me voir demain le matin? Demain, le matin, le soir, c'est possible? Ok, le soir, faites un effort. J'ai vraiment envie de parler avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, papa. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Oui, c'est 06-940-3009. Allô? Allô? Oui, shalom, papa. Shalom. Comment vous appelez? Vous m'appelez depuis quel quartier? Comment on a Willy? On a venu depuis le quartier Luandjili, papa. Papa Willy, depuis le quartier Luandjili. Oui, papa. Pendant que j'ai de parler et le Seigneur me parle d'un problème du travail, vous avez un sérieux problème là où vous travaillez? Oui, papa. On vous a enlevé au travail? Papa. Ça fait combien de temps? Ça fait déjà 2 ans. Ça fait 2 ans? Mais pendant que je suis en train de parler, je vois le problème était commencé sur de l'un de votre collègue que vous marchez souvent ensemble. Mais je vous vois en combinaison. Vous travaillez où? Allô? Je vous vois en combinaison. C'est comme si bateau et bateau qui est dans la mer, bateau basse là bas pour la combinaison. Oui papa. Oui papa. Vous travaillez où? La salle dans la société privée qui est dans la mer. Nakeda Kalamer, il y a l'un de votre camarade, pendant que je viens de parler, Dieu est en train de me montrer son nom. Mais je ne peux pas parler du nom de quelqu'un à la télé. Est-ce que demain, vous pouvez me voir au bureau, qu'on puisse parler face à face? D'accord, papa. Venez demain, on va parler en face à face. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Alors, 05 029 54 10 06 940 39. Allô? 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 Oui, shalom maman. Ah, shalom. Kombo Nani, bon, Bengi Bissot depuis quel quartier? Kombo Nanga Ferro, Bengi depuis le Paka. Depuis le quartier Paka, bon, je qui adresse à l'église Malam. On a télé, on dit on a la télé. Bon, je qui a mon télé. Ok, on a télé, ni on a la Bengi. D'accord, bon, l'anda qui adresse à l'église, t'es? Ok. Église Ozana Paka, église Ozana Tchétché Masola. Boyebi arrêt secrétariat, la mairie de Tchétché, très bien. Bon, continue à venir coudronner entre la mairie et l'école le 30 mars. Tout droit. Après près de 200 mètres de coco, il y a l'école, il y a Goudo, il y a Songa. Vous traversez juste Goudro, à venir que continuer dans ma belle, la Toto, 4e parcelle à droite. Bon, comme mon église, cité de la restauration, ma peinture, on a bleu. Dans 4e parcelle à droite, na yo. Pendant que j'avais parlé, le Seigneur me parle de 3 choses, mais je ne peux pas parler de ça à la télé. Faites un effort demain, je vais recevoir à partir de 7h jusqu'à 12h. Et le soir, c'est de 16h à 19h. D'accord, merci, que le Seigneur veille sur vous, maman. Merci. À demain, merci. Alors, ainsi c'est Yakobenga, 05 029 54 10. Allô? Allô? Oui, shalom. Kombo Nani, vous bengi depuis quel quartier? Ozana hôpital. Ozana hôpital. Bozola nanga na télé. Ok, Kombo Nani. Kombo nanga gelo. Papa gelo, na lingina sambe la sucre pour na yo. Ozana kondjima ke nzambe aza muto aza capable ya kopé sa solution. Je vais prier pour toi. Mais pendant que j'ai de parler, l'esprit de Dieu me montre et l'eau comme moko.
mais na koko solana nzela ya tel dar khatelete est-ce que après émission koko koko binganga ou soit lobby ou sala et photo kuta na église. D'accord, je vais prier. Le Dieu des miracles, Dieu de la solution, kota na makambo oyo biki sande ko wana na kombo na Yesu. Amen. Merci. Nzamba veli kolona yo. Merci. Ainsi c'est Yakobenga 05 029 54 10 06 940 30 09. Ba numéro o est affiché wana ba numéro personnel ngai. Allô? Allô? Oui, shalom. Kombo nani, vous nous appelez depuis quel quartier? Je suis Juliana, je vous appelle depuis la base. Depuis la base. Ok. Vous avez pris l'adresse de l'église? Oui. D'accord. Est-ce que c'est possible que demain, vous soyez là le matin, je vais recevoir à partir de 7h jusqu'à 12h? D'accord. Merci. Que le Seigneur veille sur vous. Merci. Que Dieu vous bénisse. Alors, je crois que je suis pratiquement à la fin de ce soir. Et émission de est aussi là. Mais ma professeur aussi là, t'es appelé à Soukayangoyo. Allô? Oui, shalom. Shalom. Kombo Nani Bobengi, depuis quel quartier? La bienvenue depuis Fontiti. Kombo Nani? Sœur Claudia. Sœur Claudia. Ok, Bolandi adresse à l'église Maman Claudia. Demain, na koyamba na tongo à partir de 7h jusqu'à 12h. Aux 8h na tongo te na pokwa, c'est de 16h30 à 19h. Puis, tous en service, mon koyama kasi. Mais na lingina solano face à face, salatou, tokuta na lobby. Zamba pambole. Merci, Maman Nangai. Merci. Alors, na baza ke na komi. Waouh, appel à souka yango yo. Allô? Shalom maman. Shalom. Kombo nani bobengi biso depuis quel quartier? Quartier. Ah? Maman Emmanuel. Maman Emmanuel depuis quel quartier? Quartier Vindoulou. Bozo la nanga na télé? Oui. Ok. Bozo qui adresse à l'église Malamu maman. Oui, Sala tu kuta nanga lobi na tongo to solo la. Papa za pembeni na yo, passe papa na solo na yi. Papa azola la. Azola la deja? Oui. Est-ce que lobi okoko yaka na papa se passe pour kuta nanga to solo la? D'accord. Merci. Na koyamba parti de 7h jusqu'à 12h. Merci. Nzamba pambo la bino. Alors, na baza ke na komi deja na souka téléphone ezo sonné, émission de ezo sila, me ba appel eko sila te, prophétie eko sila te, miracle eko sila te, guérison eko sila te. Je reçois chaque jour de lundi au samedi, c'est de 7h à 12h uniquement, la consultation prophétique et la croisade c'est le mercredi, le jeudi et le vendredi. Mercredi, jeudi, vendredi, c'est à partir de 17h pile jusqu'à 19h pile. Le mercredi, jeudi, vendredi et dimanche c'est le matin à partir de 8h jusqu'à 11h30, légèrement 12h après le culte, je reçois. Alors voilà, c'est mes deux numéros RTL qui est affiché, MTN qui est affiché. MTN c'est mon WhatsApp. Voilà mes deux numéros qui est affiché pour nos frères qui sont ailleurs. Peut-être vous êtes en Europe, vous êtes partout dans le monde. Et mon WhatsApp c'est MTN que vous voyez là. 06, c'est ça mon WhatsApp. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez me contacter sur WhatsApp très facilement. Alors, je suis le prophète Victor Ngoti, mon sakole à Zanamboka. Demain, c'est le mercredi, je reçois de 7h à 12h et le soir, c'est de 16h à 19h. Le jeudi, c'est de 16h à 19h et le vendredi, c'est de 16h à 19h et le dimanche, c'est à partir de 8h jusqu'à 11h30, légèrement 12h. Alors, chaque jour, je reçois. Je suis déjà à la fin. Je profite dans ce même moment de saluer tout le monde qui est en train de me suivre en ce net moment. Alors, que Dieu vous bénisse sans oublier mon coiffeur que j'aime beaucoup. Le roi depuis le quartier Kwikou, un meilleur coiffeur. Que Dieu le bénisse. Et sans oublier le pasteur Armel Makaya,
Que Dieu le bénisse depuis le quartier Vauvent. Et vous êtes tellement ébellé, alors que je ne peux pas vous oublier, que la faveur et la grâce de Dieu puissent reposer sur votre vie dans le nom de Jésus-Christ. Ciao. Libosona yo mwana pate na mikumba tozana yango na konzimato yepana yo na maloba na yo esika bomo ezali na maloba na yo l'impossible devient possible oyebi baposa mitema. Esika makanisi esuki awa na bozalisa mina yo toyeko sopelo mitema yo na maloba na yo esika bomo ezali na presence na yo l'impossible devient possible. Shalom, shalom, shalom. Je suis le prophète Victoire Ngodi de l'église Cité de la Restauration. Suivez-moi sur DATV chaque mardi à partir de 21h30 et la rédivision chaque vendredi à partir de 15h. Et vous serez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. C'est encore possible de vivre la gloire passée, de reprendre ma force et dans la main.